Salut tout le monde! Aujourd'hui en français avec Maud, on va voir les quatre dimensions de la lecture. Donc, ce sont des dimensions qu'on étudie au régulier. Au régulier, on parle de lire et apprécier des textes variés, tandis qu'en accueil, on parle de lire et écrire des textes variés. Donc, il y a quatre dimensions, quatre types de questions, en fait, qu'on va vous poser, qui sont des critères d'évaluation au régulier. Donc, c'est vraiment pour préparer les élèves d'accueil à s'intégrer à la classe régulière. Le genre de questions, ça pourrait être « Quelles sont les caractéristiques du personnage principal? » Le premier conseil, c'est de prendre le temps de lire les mots de la question. Donc, regardez les mots-clés. C'est super important de vraiment savoir quelle est l'attente par rapport à cette question-là. Donc, notre première question, les caractéristiques du personnage principal. Je vais essayer d'aller trouver toutes les informations qui sont pertinentes, donc importantes, qui pourraient le décrire. Donc, ça me demande de savoir c'est quoi les informations importantes. Donc, je pourrais peut-être les souligner. Les caractéristiques. Donc, c'est autant des qualités et des défauts que des observations, par exemple. C'est une jeune fille timide et amicale. Elle est jeune et ravissante. Toutefois, depuis la mort de son père, ses relations sont tendues avec sa belle-mère et ses demi-sœurs, puisqu'elle demande à Cendrillon de faire des corvées ménagères. Cette dernière est obéissante car elle fait toujours ce qu'on lui demande. En gros, on voit que j'ai mis les caractéristiques de Cendrillon. Je suis allée chercher des qualités, des défauts, donc amicale, ravissante, obéissante. Et j'ai donné aussi des exemples. Les exemples sont très importants pour appuyer vos propos. Donc ça serait une façon d'aller répondre à cette question-là. C'est sûr qu'ici, on parle de questions à développement. Donc une phrase ou deux, ça ne sera pas assez pour répondre à la question. Il faut en mettre un peu plus. Maintenant, ça m'amène au deuxième critère qui est l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est tout ce qui est relié par rapport à l'auteur et tout ce qui est autour du texte. Donc, ça pourrait être des questions par rapport au titre, par rapport à la morale de l'histoire. Donc, ça, ce sont des questions d'interprétation, par exemple. Il y en a de toutes sortes. On va les regarder plus spécifiquement à la fin. Ici, je vous amène maintenant à ma première question d'interprétation. Donc, pour l'interprétation, il faut présenter des significations qui sont logiques. Par exemple, quel enseignement dégages-tu de ce texte? Par enseignement, on veut dire morale ici. Donc, dans le cas de Cendrillon, pour ce qui est de la morale, je dois formuler une phrase ou une affirmation générale. Par exemple, si tu agis bien, tu seras récompensé. Il ne faut jamais perdre espoir et le bien l'emporte sur le mal. Ce sont trois exemples de morale. Les trois seraient bonnes ici. Pour répondre, par exemple, à des questions sur la morale, spécifiquement, si c'est ça la question, il faut voir premièrement les agissements du personnage. Par exemple, Cendrillon, on sait que c'est une fille qui est obéissante, qui ne fait jamais de tort à personne. La morale, c'est toujours aussi savoir si ça finit bien, pourquoi, puis si ça finit mal, pourquoi, et de faire le lien aussi avec les agissements du personnage pour vraiment dégager la morale. Appuyer les réponses sur des éléments implicites et explicites du texte. Votre justification devrait toujours s'appuyer sur des éléments du texte. Une autre question de réaction, on pourrait avoir comment le personnage se sent-il. Par exemple, Cendrillon regarde ses demi-sœurs se préparer pour le bal sans elle. Encore une fois, il faut que je m'appuie sur des éléments du texte. Donc, elle regarde ses sœurs. Dans le texte, ça dit clairement qu'elle n'est pas contente. Donc, je déduis qu'elle est triste. On sait dans le texte qu'elle a envie d'y aller. Donc, j'essaie de mettre toutes les informations ensemble pour répondre à cette question-là. Donc, j'ai dit « Je pense qu'elle est triste parce qu'elle veut y aller elle aussi ». Maintenant, on va observer la troisième dimension qui est la réaction. Donc, comment est-ce que vous réagissez par rapport au texte?
Pour avoir une bonne réaction, oui, il faut se baser sur des éléments du texte, mais il faut aussi se baser sur ses expériences de vie et de lecteur. Une bonne réaction devrait toujours prendre en compte le texte, mais aussi votre vie personnelle, des exemples. Les exemples sont très importants. On essaie de ne pas donner une idée sans justifier. Les exemples aident vraiment à comprendre votre idée. Donc, il ne faut pas penser que juste donner une phrase, la personne qui vous lit va comprendre. Non, ça prend une réponse qui est vraiment complète. Donc, une question de réaction, ça pourrait être quel sentiment suscite en vous la lecture de ce texte? Donc, comment est-ce que j'ai réagi là, par rapport à ce texte-là? Donc, je demande un sentiment. Un sentiment, la joie, la tristesse, la colère. Moi, ici, je me suis basée sur la tristesse et la joie. J'ai dit, j'étais triste de constater que Cendrillon était malmené par sa famille. Vers la fin du récit, je me sentais mieux parce que justice a été rendue au personnage. Elle a finalement trouvé un garçon qui lui plaisait et elle s'est mariée avec lui. Donc, j'ai mes deux émotions, triste. Donc, je donne toujours ma réaction. Donc, j'étais triste. Et on voit aussi après mon explication, j'ai mis un exemple. Donc, la première phrase, c'est ma prise de position. Ensuite de ça, j'explique ma pensée en donnant une valeur. Justice a été rendue au personnage. Et j'ai un exemple qui est la fin du récit. Une autre question de réaction, ça pourrait être selon vous, ce genre d'histoire est-il pertinent à raconter? Moi, j'ai dit, je crois que oui. Il faut montrer aux gens à garder espoir dans l'adversité. Il peut nous arriver des choses difficiles dans la vie, comme perdre des amis ou changer de pays. Dans ces moments, nous devons être patients et rester gentils avec les gens pour que de bonnes choses nous arrivent. Donc, j'ai ma prise de position. Donc, la réaction, c'est vraiment vous. Comment est-ce que vous réagissez par rapport au texte et qu'est-ce que vous en pensez? On vous demande votre opinion ici. Donc, je réponds, je prends une position, je donne ma valeur, qui est l'espoir. Et je donne des exemples, comme perdre des amis ou changer de pays. Maintenant, conseillerais-tu à des jeunes de ton âge cette histoire? Ça, c'est la quatrième dimension qui est le jugement critique. Le jugement critique, il faut vraiment prendre une position qui n'est pas ambivalente. Ça veut dire qu'il faut dire oui ou non et vraiment maintenir sa position avec des critères et des exemples. Ici, on s'appuie vraiment sur le texte. Donc, la différence, c'est que la réaction va surtout chercher votre expérience de vie, votre expérience de lecteur, tandis que le jugement critique, on se tient au texte. Donc, c'est ça un peu la différence entre réaction et jugement critique. Dans ma question ici, conseillerais-tu à des jeunes de ton âge de lire cette histoire? Je prends position. Ce qui est important ici, c'est que il faut pas penser qu'il y a une bonne réponse. On peut dire oui, on peut dire non. L'important, c'est vraiment de justifier. Voici un exemple de réponse à cette question-là. Donc, personnellement, je dis non, je ne recommanderais pas cette histoire à des adolescents. Celle-ci est trop enfantine. En effet, il y a des éléments qui peuvent venir chercher plus les enfants que les adolescents, comme les princes et les princesses. Je recommanderais cette lecture à des jeunes de moins de 10 ans. Donc, j'ai ma prise de position qui est vraiment catégorique. Et je me base de critères. Donc, comme les princes et les princesses. Donc, je donne des exemples, mais voilà, ici, c'est vraiment basé sur le texte uniquement. Donc, comme je l'ai dit, il y a les quatre dimensions de la lecture. En sommaire, on a la compréhension, l'interprétation, la réaction et le jugement critique. La compréhension, c'est basé sur un texte en particulier. Ça peut être sur le thème, un mot, un antécédent. L'interprétation, c'est tout ce qui est autour du texte.
La réaction, c'est comment ça vous fait réagir, et le jugement critique, on vous demande de prendre une position très claire. Vous pouvez prendre le temps, mettre sur pause pour lire les questions. Aussi, ce sont des questions sur lesquelles on va revenir en classe pour mes élèves. Les quatre dimensions pour tous les types de textes. Comme j'ai dit, c'est important aussi dans la compréhension de reformuler dans ses propres mots, de donner des éléments différents et pertinents. Tandis que quand on est dans l'interprétation, il faut appuyer la réponse sur des éléments du texte ou justifier aussi à une information explicite et implicite. La réaction, il faut prendre une position, mais en se basant surtout sur des expériences. Et c'est très important dans la réaction et le jugement critique de donner des exemples. Parce que le jugement critique, lui, s'attarde surtout plus au texte. Donc, c'est vraiment à l'échelle du texte. J'espère que ma capsule va vous avoir aidé à comprendre les dimensions de la lecture. Donc, c'est une capsule qui vise à aider les élèves de l'accueil qui vont intégrer prochainement le régulier. Puis aussi, ça peut même être utile pour les élèves du régulier afin de comprendre les quatre dimensions de la lecture. Donc, merci à vous, puis on se revoit pour une prochaine capsule. Bonne journée!